Bonjour, bonjour, c'est Stéphane et on se retrouve pour une vidéo des avis films pour ce soir. C'est un film qui est sorti le 20 septembre 2016 avec comme réalisateur c'est Antonio Gocquet et pas avec comme acteur il y a Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Et ce film, hein, je vais vous parler, le dernier film des 7 mercenaires, mes amis, qui est sorti en 2016. Comme je vous ai dit, voilà, c'est un film de western, dernier film de cette saga, mes amis, en ce temps. Ce film-là, en fait, c'est une histoire, en fait, il y a un gars qui est très riche, qui veut prendre la ville, une petite ville américaine quoi et tue des villageois, une église et un de ces hommes de ce village se fait tuer et sa femme va voir avec un de ses amis ils vont parcourir l'État. Et c'est là qu'ils vont rencontrer un homme qui s'appelle il s'appelle Sam, voilà, un homme qui s'appelle Sam, interprété par Denzel Washington, qui est chasseur de primes, et cette femme demande de l'aide à Sam pour l'aider. Il accepte et c'est là qu'il va recruter, si vous connaissez un peu l'histoire, six nouveaux, six mercenaires. C'est là qu'il rencontre un voleur, il y a un Indien, un Mexicain, il y a un espèce de chasseur. Celui qui fait chasseur, c'est celui qui joue dans Daredevil, hein, le caïd, voilà. Il y a qui aussi? Ah oui, il y a un Chinois, un Japonais et un Ethan Walker, qui joue un espèce de sniper. Voilà. Voilà, ils vont voir cette ville et c'est là qu'ils vont les aider, tout ça, voir l'état de cette ville. Il y a aussi une mine, hein, une mine qui a plein d'or dedans. Et c'est là qu'ils vont aider ces hommes et ces femmes à se battre, à faire des écrans un petit peu de comment tirer, comment lancer des couteaux et apprendre à se battre, quoi, voilà. Ils ont une semaine à se préparer pour la venue des hommes de le méchant, je sais plus comment il s'appelle, l'homme qui veut prendre cette ville quoi, et voilà, c'est là qu'ils vont se préparer tout ça, et voilà. Bon, après ça, à vous de voir le film, tout ça. Pour moi, c'est un très bon film, hein. C'est pour ça que je mets un bon film, mes amis, 3 étoiles. Il respecte vraiment le thème du premier film, Les 7 mercenaires, mes amis. C'est bien, il prend pas le même personnage que le premier opus de Les 7 mercenaires, parce que le premier personnage de cette mercenaire, c'est Chris. Là, il s'appelle Sam. Et c'est. Voilà, c'est. Voilà, c'est. Il respecte vraiment le premier film, mes amis. Ça, c'est un grand respect pour ça. Pour ça, voilà, pour moi, c'est une belle réalisation. Il y a une très belle bataille à la fin. C'est pour ça que je mets un ça, très bon film à regarder. En plus, il y a des très bons acteurs. Hein. Voilà, il y a Chris Pratt, hein, celui qui fait Les Gardiens de la Galaxie. Il y a Denzel Washington. Il y a Ethan Hawke. On connaît tous, hein, son très grand talent.
Il y a des fruits, hein, ce qui fait le caïd, hein, qu'on connaît tous. Et un très beau casting pour ce film. Voilà, c'est pour ça que je mets la note, comme je dis, de 3 étoiles. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de ce encore, j'espère que ça ne vous aura plu encore une fois. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, à vous de me dire si vous aimez cette nouvelle façon de cette mercenaire. Je ne sais pas si vous allez faire une suite, tout ça, mais on va voir. Hein, ça fait déjà une paire d'années déjà qu'il est sorti. Mais après ça, voilà. Bon, allez, mes amis, moi je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner des commentaires encore une fois. Et moi, je vous dis bonne nuit à tous. Je sais pas si je vais regarder un deuxième film ou pas. Mais ça, on verra quoi. Bon, allez, mes amis, moi je vous dis ciao. Vive le cinéma et à la prochaine. Bye.